بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Tout rendu par Allah subhanahu wa ta'ala, envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelques leçons qui nous capables de tirer dans un paragraphe dans le Coran concernant Sulayman alayhi salam. Alors, Sulayman alayhi salam tient le prophète, et ensuite il tient le roi. Allah subhanahu wa ta'ala fin de lien le royaume qui jamais quelqu'un fin gagne un royaume aussi puissant que Sulayman alayhi salam. Et ce royaume qu'il fin gagné après qu'il fin vide un prophète, ce royaume-là fin gagné ça suite à un vœu que Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui. Tout bon prophète, je gagne un cadeau concernant une demande, une invocation. Ce qu'ils ont demandé, peu importe qui je demandé, Allah subhanahu wa ta'ala donne je exauce je veux. Alors, tout bon prophète, je fin demander, Allah fin propose, je fin demander, je fin gagner. Y compris Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui sa vœu là, mais seulement lui, il pas fin prononce le sauveur. Il fin garde lui sa vœu là. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pas fin, veut dire, prend sa l'opportunité pour lui l'odonia. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fin garde ça pour le jour du Qiyamah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fin garde sa cadeau, sa dua qui est exaucée, veut dire instantané. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fin garde ça pour son ummat le jour du Qiyamah. Alors, il peut demander shafa'at pour ban musulman de sa ummat. Alors, pour nous gagner shafa'at, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faudrait que nous croyions, ne pas faire shirk avec Allah. Faudrait qu'il nous adore Allah uniquement. Faudrait ne pas mettre associé avec Allah. Et un seul Allah. Les restes tout créatures. Jibril, créature d'Allah. Ben, prophète, créature d'Allah. Quand nous invoquons seulement Allah. Alors donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire shafa'at pour ban mu'min parmi ce ummat le jour du Qiyamah. Mais Sulayman alayhi salam, les fin demande ce vœu, et ça, ce droit, ça. Les fin accepter pour, veut dire, les fin intéressé pour demander un cadeau qu'il fin demander avec Allah. Rabbi habili mulken la yambaghi li ahadi min ba'di. Ô Allah, ô mon Rabb,
Donne-moi un royaume que après moi personne pas gagne sa qualité royaume. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala fin fi'ali vin le roi, un le roi qui est juste, parce que normalement beaucoup ben le roi zut fin veut dire intoxiqué par le pouvoir. Pouvoir les corrompt du monde. Pouvoir sans iman et sans taqwa les corrompt du monde. Quand du monde gagne pouvoir, tant qu'il gagne pouvoir, il est payé. Tant qu'il gagne pouvoir, il est payé, il est vigilant. Il a besoin de rapprocher avec Allah pour que le pouvoir là pas corrompu. Parce que pouvoir, il est dangereux ça. C'est pour ça que dans un dicton en anglais, je dis où too much power. Hein? Terminé? Too much power? Corrupt. Ça veut dire trop beaucoup pouvoir corrompu. Il est vrai ça. Dans tout domaine. Dans tout domaine. Un ministre qui a trop beaucoup pouvoir qui arrive là. Il est vite corrompu. Même une personnalité religieuse, si vous donnez trop pouvoir, trop beaucoup pouvoir qui n'est pas mérité, ou elle vénère d'une façon qui vous fait vivre du monde sacré, il y a le croix qui est spécial, il corrompit ou corrompit. Alors donc, et Souleyman alayhi salam, lui il tient le roi, pardon, allez moi le tout, aïe aïe aïe. Qui est capable, s'il vous plaît? Ou pas vous connaissez? Capable faire ça? Ou un dialogue là avec vous? Merci beaucoup. Jazakallah. Donc, Souleyman alayhi salam tient le roi pieux, qui est un taqwa, parce qu'il tient le prophète, il tient obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, qui est arrivé? Souleyman alayhi salam, ce succès finit un problème. Ce succès, ce réussite finit un problème. Du monde commence frustré. Certains du monde finit frustré, jaloux. Et ça, c'est une petite chose qui nous vivons de tous les jours dans nos quotidiens. Quand on commence à gagner l'argent, le 10 dimoun est incapable content. Mais les risques, les frustrés qui font les pannes pareilles. Ou bien, ils sont contents qu'ils aient dit ce qu'ils ont gagné. Ou bien, si vos enfants ont réussi, ces enfants n'ont pas réussi. Ces enfants, ils font. Vos enfants peuvent réussir et aller même. Il faut dire, il y a un iman, tu as quoi pour les content bonnet aux enfants? Sinon, ils frustrés. Quand on a 5 tifis dans la case, tous les 5 finissent mariés. Il y en a 2 tifis, une fille arrive 35 ans, pas encore gagné des man. Si il peut naïman, il peut taqwa, il est frustré, il est jaloux. Et comme ça, dans la vie, dans toute chose matérielle, quand quelqu'un gagne, celui qui n'a pas gagné, s'il peut taqwa, il est jaloux et il est frustré. Quand du monde jaloux, quand du monde frustré, il laisse sur la langue battre comme il a envie. Il cause quelque chose qui n'a pas existé. Il cause nonsense. Nous entendons, nous vivons. Un bail, il est misère, il commence à avoir l'argent. Il peut réussir. Il passe à même une bicyclette. Il assène le tout. Il assène la case. Il est dans bien. Mais ça cause frustration dans. La vie, beaucoup de gens, c'est là qu'ils se font. Ils vendent la drogue. Oui, beaucoup de gens qui partiennent, finissent à travers la drogue. Mais ce qui tout le monde qui partiennent, après, ils avaient déjà la drogue. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ce qu'il a envie. Il enrichit ce qu'il a envie. Qulillahumma malik al-mulk. Celui qui est propriété de sa royaume. C'est Allah. Tu'til mulka man tasha. Tu accordes l'autorité à ce qui t'a envie.
وتنزع الملك ممن تشاء. Et aussi, tu retires l'autorité depuis ça qui t'envie. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاء, tu honores ça qui t'envie, tu donnes l'honneur. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاء, et tu déshonores ça qui t'envie. بِيَدِكَ الْخَيْرِ, جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرٍ. Merci. بِيَدِكَ الْخَيْرِ, dans la main d'Allah, il y a tout quelque chose de bon. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner une leçon là-dedans pour nous comprendre la vie. Le Coran, c'est lui qui étudie le Coran pour comprendre la vie. Un jeune qui finit vivre 50 ans, 60 ans, il en a beaucoup l'expérience de la vie. Mais si un jeune qui étudie le Coran, il est capable d'avoir 20 ans, il est capable de plus comprendre la vie. Parce que dans le Coran, il y a beaucoup de choses qui concernent la vie du monde. Alors donc, Suleyman alayhi salam, il n'est pas fin, veut dire, exempté. Il n'est pas fin, veut dire, il n'est pas fin sapé avec ça, sa problème, frustration, jalousie. Alors, je ne veux pas dire qu'il vend la drogue. Je ne veux pas dire que Suleyman alayhi salam, il vend la drogue. Je ne veux pas fin dire qu'il est coquin. Si je suis capable de dire, je suis capable de dire. Mais une fanane rumeur qui, comme quoi Suleyman alayhi salam, ce pouvoir, il vient depuis la magie. Depuis la magie, depuis la sorcellerie. Parce que Suleyman alayhi salam, ce pouvoir, il n'est pas capable de comprendre le pouvoir de Suleyman alayhi salam. Il n'est pas humain, ce pouvoir-là. Parce que Suleyman alayhi salam, qu'il peut dire, Ya Yuhannas, ô ben Jibun, ullimna mantiqa at-tayr. Nous fin, Allah fin donne nous la connaissance, langage oiseau. Il y a quelqu'un qui connaît langage oiseau, ou capable d'apprendre ça, ou capable de faire recherche pour comprendre, pas comprendre. Wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. Il y a quelqu'un qui possède un lamé de shaitan, qui est esclave pour lui, qui travaille pour lui, qui est dans la mer plongée pour le tirer des pierres précieuses en bas de la mer. En bas de la mer, il y a beaucoup de trésors. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut mentionner dans le Coran qu'il y a un shaitan qui est esclave de Suleyman alayhi salam. Je t'y peux plonger en bas de l'eau. Pour le tir, ben, pierre précieuse, ben, trésor. Ou y'amaloun, amalan douna dhalik, et je t'y peux faire, ben, les autres travail. Alors donc, Suleyman alayhi salam, tu veux dire contrôle, ben, shaitan, ben, djinn, et tu connais langage, zoazo, et il dit, ou alenna lahul hadid, et tu maîtrises beaucoup, ben, qui sont dans la nature. Alors donc, Jibon n'est pas capable d'accepter cette chose-là. Le croyant, lui, il dit, non, mais si Allah a envie de faire une petite chose, il fait. Si Allah, subhanahu wa ta'ala, a envie de donner quelqu'un la richesse, Allah est capable de faire lui. Si Allah a envie de donner quelqu'un la force, si Allah donne quelqu'un la santé, Allah lui donne ce qu'il a envie à ce qu'il a envie. Donc le croyant, lui, celui qui est tranquille, il n'est pas malade. Le croyant qui n'a pas taqwa, il n'est pas malade avec succès du monde. Il connaît que mais moi, je ne vais pas gagner parce que peut-être ça n'est pas bon pour moi. Quand je ne vais pas gagner une petite chose, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas une bonne place de travail, je n'ai pas une jolie la case, je n'ai pas une auto bien confortable, je n'ai pas une mariage, 5 ans de mariage, je n'ai pas d'enfants. Mais le croyant, il dit peut-être que les enfants pas bon pour moi. Allah pas de moi parce que pas à cause Allah peut faire injustice, non. Capable Allah compte en moi. Attention, capable ces enfants-là, si vous venez une musibah pour moi. Alors donc, le croyant, il pense toujours bon à Allah. Il pense toujours positif. Mais le fasique, transgresseur, le mécréant, tout le temps, il y a un problème négatif, négativité. Alors donc, beaucoup de gens dans l'époque de Suleyman alayhi salam, au lieu de dire hadha min fadli rabbi, parce que même que Suleyman alayhi salam fin dire hadha min fadli rabbi, ça c'est faveur de mon rab. Et ben dit non, pas faveur de ton rab, tu fin servi la magie
pour te gagner sa pouvoir. Alors donc, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, protège-nous contre la langue du monde. Quand Allah finit de nous, Ya Rab, protège-moi, qui n'a pas blâme-moi, pas mettre fausse chose de moi, à cause de mon gain d'argent, à cause de mon succès, à cause de mon réussite. Protège-moi contre ban la langue, veut dire qui peine à valer. Ban la langue qui peine à iman. Ban la langue qui pape à Allah. Ban la langue qui peine à respect pour les autres. Protège-moi contre ça, la langue. Alors donc, Suleyman, alayhi salam, tient grand les rois. Tient grand les rois qui sont justes. Il pas qui fait dominer. Ils y vivent, ils y jugent, ils y vivent et ils y gèrent d'après la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, parmi les créatures qui étaient sous son contrôle, c'était un oiseau qui appelle Hudhud. Alors, vous pouvez voir sur Internet, il y a un crête sur la tête et un long nabic cabossé. Alors, un joli petit oiseau, lui, il travaille comme un éclaireur. Quand il y a un éclaireur, veut dire, il est allé partout, pas tient un satellite longtemps. Suleyman alayhi salam tient un grand armée. Et Suleyman alayhi salam, veut dire, il a un royaume. Si vous avez veillé ce royaume, qui dit mon fait, qui dit mon pas fait. Alors, donc, Hudhud, Zou quand il y a un rassemblement, tout ben l'armée de Suleyman alayhi salam supposé rassembler, possiblement peut prendre registre. Un tel présent, Hudhud présent, Hudhud pas là. Hudhud pas là. Quand l'inali, Suleyman alayhi salam, lui veut dire il en colère. Suleyman en tant que le roi, le commandant de ce l'armée. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Mobopinili, une punition très douloureuse, une punition très sévère. أو لأذبحنه, ou bien mobokup soliku. Sinon, les besoins justifiés sur l'absence. Là aussi, une leçon pour montrer nous que un dimoun d'une position de l'autorité, un papa, un imam, un patron, un manager de travail, un rectier dans l'école, un mutawalli dans masjid, n'importe quand un dimoun d'une position de l'autorité, comment les besoins agir? Les besoins peina, les besoins évitent des quelque chose. Les besoins pas viennent un dimon qui veut dire faire dito, abusif, faire dito, celui qui est rousse. Il n'est pas pour réussir, il n'est pas pour gagner l'équipe de ce ben dimon qui travaille sous responsabilité. Il n'est pas pour réussir dans rien, parce qu'il n'a pas pour content lui. Il n'a pas pour capable faire dito. Il n'a pas pour solider avec lui, parce qu'il est malagi envers eux. Un vrai leader, il passe à l'extrême qui a une attitude, veut dire, une mauvaise attitude avec lui. Violent, mauvais, peine à pitié, peine à souplesse, peine à gentillesse, ça n'est pas akhlaq, un vrai leader. Mais de l'autre côté, un vrai leader n'est pas capable d'être mouton. Un vrai leader n'est pas capable d'être mouton. Nous trouvons ça même. Par exemple, nous prenons une petite dimension dans la case. Quand un papa, il peut pas raham, il pas causer que ses enfants comme un bon papa. Il pas assisé, il fait gâter avec les autres. Il peut une parole doux pour causer aux autres. Tout le temps, il y a une violence dans lui. Il n'a juste maltraité, il mal agir. Jamais il a accepté une demande de ses enfants. Est-ce qu'ils enfants là pour reconnaissance envers lui? Bien, tigit. Là, sans qu'à haine, capable maintenant, mon commencement, il respecte tout. Qui fait? Parce qu'il agit comme ça. De l'autre côté, un leader n'est pas capable d'être mouton. Ou qu'on dise dire oui ou pas qu'on dise non. Ou faible. Ou gentillesse, il y a une faiblesse pour vous. Parce qu'il est là qui peut arriver 10 mounes pour monter là-haut la tête.
Dis moun pour monter l'eau la tête. Dis moun pour abuser l'eau. Dis moun pour profiter l'eau. Le vrai leader, c'est quelqu'un qui a le juste milieu. Qui est le juste milieu? C'est même qui Abu Bakr radiallahu anhu tiraudé dans ce remplaçant. Abu Bakr radiallahu anhu, le premier calife de l'islam. Et l'été choisi, l'été pense après lui. Qui s'en a pour une leader? L'été route, un djimoun qui a deux qualités. Un djimoun qui a, veut dire, une personnalité faux, courageux, faux, pas vine badiner au lit. Mais en même temps, lui, gentil et na raham. Lui faux, y na raham. Ça veut dire, ça délabre vis-à-vis d'un leader. Lui faux, lui solide, mais c'est pas y na raham. Ces deux qualités-là, mosse ensemble. Alors, donc, Souleyman, alayhi salam, c'est un prophète, il y na raham, pena doute, il est gentil, il est bon djimoun, mais seulement, il n'y a pas sa faiblesse qui djimoun a bise l'eau. Quand il bise en colère, il est en colère. Quand il bise en sévère, il est sévère. À cause ça, il est sévère. Vis-à-vis de Houd-Houd. Parce qu'il n'est pas supposé absent de ce moment-là. Pas vis-à-vis comme un bon djimoun, il vis-à-vis d'un mouton, les djimoun montent la tête. Djimoun zou moi, je reste tranquille. Djimoun bat moi, je donne d'autres la zou. Djimoun met tsoz là, moi, je pleure. Ça n'est pas une qualité de musulman, ça. Un musulman, il qu'on défend son honneur, il qu'on prend ses responsabilités. Alors donc, voilà Souleyman pour ne pas comprendre, mais comment il est capable d'avoir une cause comme ça avec un oiseau? Non. Parce que ça, c'est souvent un soldat, il veut qu'on amène une discipline. Quand il y a là où il est présent, il ne pas venir rire au moins, dire non, pas si ça. Aujourd'hui, on a tel problème, demain, on a tel problème. Pas moi aussi, ça. Ou pas capable d'avoir une leader comme ça. Alors donc, Houd-Houd, quand il retourne, il y a une nouvelle, mais problème, là, lui. Alors donc, Houd-Houd, alors, fin, amanette, soldat là aussi, pareil. Pas un soldat vacabon, ça. Un soldat qui a amanette dans lui. Il n'est pas dans le promener, il n'est pas dans le casser l'écho. Un travailleur, il ne faudrait pas lui casser l'écho. Il ne faudrait pas lui sauver avec ses responsabilités. Il ne faudrait pas lui tricher. N'importe qui chose qu'il peut faire, il peut accountable, il peut pas le répondre sous, veut dire ce chef, mais plus encore, il peut pas le répondre Allah pour amanat qui place l'oli, confiance qui place l'oli. Abi Houd-Houd, il pas tel zouli. Il dit waji'tuka min sab'in. Alors donc, mon fin vini mon faire état parce que mon saute un endroit appelé Saba. L'endroit Saba. Saba, c'était un endroit dans la péninsule arabe dans le sud, qui est connu aujourd'hui comme Yémen. Dans Yémen, il y a un grand royaume très puissant. Alors, donc, Houd-Houd, quand il voyage dans le port, il trouve sa royaume. Il trouve quelque chose assez, veut dire, alarmant dans sa royaume, mais il fait un retour, il vient avec sa nouvelle. Alors, waji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Bon, puis amène une nouvelle sire, amanat. Sire, pas vine badiner ça. Pas à peu près. Ça qu'ils m'ont trouvé, moi, pour une diétoile. Exactement ça qu'ils m'ont trouvé. Ni plus ni moins. Waji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Inni wajettu mra'atan tamlikuhum. Moi, fin trouve là-bas, in un royaume. Et à la tête de sa royaume, une madame, la reine. Une la reine qui, lui, veut dire leader de sa endroit. Lui-même, la reine de sa royaume. Auparavant, veut dire, même aujourd'hui, beaucoup de l'endroit, côté là, les rois qui contrôlaient, parfois la reine, parfois la princesse. Mais nous, dans nos sharia, une madame n'a pas un droit leader. Elle est capable de prendre une responsabilité, une autre responsabilité, manager l'école, rectrice de l'école, veut dire d'un business, mais à la tête là-haut, leader, un gouverneur,
un premier ministre, un président, un calife, un le roi, les bisins hommes. Dans l'islam, il n'est pas autorisé à une madame pour prendre sa bonne position là-haut, sensible. L'an yufliha qawmun, walla amraha, amrahu imra'a, ou comme qu'a alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit jamais un peuple pour faire victoire si un leader qui dirige un président, un premier ministre, etc. Jamais il pour faire victoire, jamais il pour faire succès. Ça veut dire, on capable de trouver dans un pays un madame leader, mais succès, qui veut dire succès? Ce n'est pas juste l'argent. Ça veut dire ce côté social, ce côté économique, ce côté ben, progrès. Veut dire faire bon vivre, l'unité, etc. Alors donc, bien un homme, madame non. Mais dans ça, royaume-là, c'est une la reine qui t'y contrôle. Inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay. C'était pas un petit royaume ça. C'était un royaume extraordinaire. Hudhud dit, il y a tout qui t'sose là-bas. Tout qui chose qui nous capable penser de ça à l'époque là tient dans son royaume. Ça veut dire ici très très riche sa royaume et aussi ici très puissant parce que Hudhud dit wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim. La reine là tient un trône, gros trône énorme, trône sensez qui m'en a saisi. Ou prend un gros trône, ou pas si je l'ose, sa quantité là, même moi. Mais qui s'il tient un gros trône? Ou prend un sofa comme ça, un 16 comme ça, ou prend un gros sofa, ou prend un gros trône, un gros CS à Mazid là. Qui différence? Ou pas si je l'ose 50 cm, moi. Non. Trône symbolise quoi? Pouvoir, grandeur. Qui s'en a appelé grand trône? Allahu Rabbul Alamin. À cause ça qui? Allah le Tout-Puissant. Allah mis un trône? Non. Mais trône là symbolise la grandeur d'Allah. Puissance Allah. L'autorité Allah subhanahu wa ta'ala. À cause ça, quand la guerre est déclarée en deux pouvoirs, quand un djibouni conquérit le trône. Qu'est-ce qu'appelle conquérir le trône? Ça veut dire quand il y a un trône, il y a un pouvoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il possède plus grand trône. Quand nous pas comprenons, quand il commence, il finit. Alors donc, la reine de Saba, c'est un grand trône qui veut dire, il n'est pas seulement riche, mais il est tellement puissant. Bien, bien puissant, ça la reine. Mais Suleyman, alayhi salam, l'Ibizin passe le message. Un prophète, l'Ibizin, paraît tranquille. Dawa, l'Ibizin consigné. Ou les rois, ou la reine. Mouawan Tijimoun, le besoin consigne de transmettre à Allah ce message. Allah, subhanahu wa ta'ala, les dieux du Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ عَبُدُ اللَّهِ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Nous faisons dépêche dans chaque peuple un messager pour faire ado Allah et pour empêcher l'idolâtrie. Alors Suleyman alayhi salam a une responsabilité. Il y en a sa l'armée, il fait prendre son armée pour faire sa travail, pour faire prévaloir tawhid. Et pour combattre l'idolâtrie. Tawhid veut dire droit à l'adoration, l'y réserver seulement à Allah. Shirk veut dire nous prend Allah sous exclusivité. Ce qui existe pour Allah nous donne ça, ange ou bien prophète, ou bien djibouni normal. Ça, shirk. C'est lui qui fait, c'est lui qui prend Allah sous attribut, lui donne insan, yen mushrik. Celui qui prend Allah son attribut, il dit non, sa attribut Allah là, insan et nasa. Livin mushrik. Quand livin mushrik, il parle dans l'enfer pour tout le temps. Alors donc, Suleyman alayhi salam, livin continue ce travail. Alors il dit, Behoudhoud, al invite-li vers soumission. Plus grande l'autorité, l'eau la terre, c'est Suleyman. Petit besoin soumettre à grand deux royaumes, royaume de Suleyman, royaume de la reine de Saba. Alors donc, allez
modentu en lit al d'un lisalit là. Hodhod fin re retourne de sa l'endroit, in don la reine de Saba salit in zet sakotli in envolé in allé. Alors donc la reine de Saba, il fin prend sa l'état in ouvert, il convoque une réunion d'urgence. Une réunion d'urgence, tout soban, veut dire conseiller, chef militaire, commandant. Alors tout le premier ministre, tout le monde là. قالت يا أيها الملأ. La reine causait dire oh Moban, veut dire proche collaborateur. إني ألقي إلي كتاب كريم. Et Mofingay en lit, in tomlo moi, veut dire un oiseau fin zet ça avec moi, en lit karim. Adab. Qui s'en a plus puissant, plus fort? Souleyman alayhi salam, peine à doute. Il n'a plus grand pouvoir. Il n'a plus l'autorité. Mais seulement, quand il faut, pas veut dire qu'il m'a besoin d'agir mal. Pas veut dire qu'il m'a besoin de faire du tout du monde. M'a besoin tout le temps reste toujours moi-même. Parce que là, au moins, il y a le plus puissant, c'est Allah. Faudrait pas succès mon dans la tête corrompre moi. Faudrait pas un petit gros les bras, moi le penser qui moi est vulnérable. Un petit l'argent en plus, moi penser moi capable faire tout ça qui m'envie. N'a pas oublié qui là où toi et na Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons rester toujours humble dans nos façons d'agir, dans nos comportements. Souleyman alayhi salam, le roi le tout puissant de la terre, qui a été l'être envoyé? Ulqiya ilayya kitabun karim. Un lettre qui veut dire, pas un bout de papier déchiré comme ça, non. Un lettre, un joli lettre. Un lettre qui, comment dire, d'une façon, une bonne façon, une bien, veut dire, encastré, une avalé à sa lettre-là. Comment dire, un lettre, comment dire, peut montrer une bonne intention, une gentillesse, une adab dans sa lettre-là. Et le contenu, plus extra encore. Adab de causer. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Le roi, il n'est pas oublié ce qui est plus fort qu'il y a. Allah. Il ne faudrait pas nous leader et penser que Pharaon t'y oublie Allah. Il ne faudrait pas nous faire comme Pharaon, il faudrait nous faire comme Suleyman, alayhi salam. Pharaon, quand Allah finit de donner l'autorité, pouvoir, l'imblier, l'impenser, l'imbondier. Par contre, Souleyman, alayhi salam, qui est plus puissant que Pharaon, lui commençait par Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, c'est lui qui finit de donner lui. C'est lui qui fait vivre une côté. Pas oublier Allah, subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah ta'alou alayhi. N'a pas rebelle contre moi. Wa tuni muslimin. Soumettre à mon autorité. Parce que pas capable il y a de l'autorité, il y a besoin d'un seul. Mais tu as besoin de soumettre à moi parce que moi qui plie, veut dire dominant l'eau la terre. Parce que l'autorité, il est comme ça, insan, il est comme ça. L'autorité plie faux, c'est lui qui gouverne. Alors donc, pas capable il y a de l'autorité d'un seul endroit. Soumettre. Ah ben, ça, la reine-là, c'est une la reine qui est cultivée par l'expérience pour gouverner ça. Pas pareil comme nous, les politiciens. Il y a un sous-là, il y a un ministre. Il y a un sommet, il y a un assis dans un poste, le milliard. Quand il y a un condamné, il y a un ministre. Il y a un dirigeant. Il y a un voyou, il y a un ministre. Il n'y a pas aucune notion. Li. Ou bien prends-le, mette-le pour diriger un poste qui n'a pas aucune expérience. Prends-le un médecin qui conduit ce comprimé, fait-le, occupe de l'eau. Prends-le, si pas ce domaine avocat, fait-le, occupe finance. Mais là, qui va attendre qu'un pays? Il m'a aussi un pays là? Le pays là, pas m'a aussi, il est déréglé. Ah ben, par contre, ça, ben, les rois, la reine, veut dire, cultive dans eux, veut dire, sa qualité leadership, l'expérience. Forme zot pour vin, veut dire le roi. Pas comme ça, même ça. Alors, get comportement de quelqu'un qui est dans l'expérience.
cultivé. Alors donc, les fins réunis ce conseiller, là, il dit, mais qui nous fait ça? Les fins demandent conseil. Ni capable la reine, ni capable les rois, ni pas monsieur Contou, madame Contou. Demande conseil. Tout cela peut faire nous apprendre. Un patron est capable de demander conseil avec ce travailleur. Un imam est capable de demander conseil avec un qui n'est pas imam. Un parent est capable de demander conseil avec ses enfants. Un jibon qui n'apprend est capable de demander conseil avec un qui n'est pas à l'école. Un conseil capable, une parole capable de profiter d'un malheur. Alors donc, la reine, après qu'il est réuni, demande conseil. Banna fin dit, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid. Ce ban commandant dit, non, nous n'avons pas besoin de capituler. Nahnu ulu quwwa, nous avons beaucoup la force, nous puissants militairement. Wa ulu ba'sin shadid. Alors donc, nous avons la force, nous capables la guerre. Alors donc, ça veut dire, ce l'homme est pareil pour confronter Suleiman alayhi salam. Mais seulement, quelqu'un qui est sage, tout le temps, il route l'opportunité pour tout le temps faire quelque chose en paix. Quelqu'un qui est sage, il n'est pas fait la guerre. Quelqu'un qui est sage, il n'est pas servi violence. Violence, c'est dernier recours. Tout le temps, essaye de faire quelque chose à l'amiable. Essayez de faire quelque chose pour amener la paix. Essayez de résoudre un problème, pas la guerre. Pas faire comme un man qui peine à l'honneur. Pour oui, pour un non, la guerre. Divisez-vous, zourez le Facebook, la guerre. La loi du plus fort, nafs vient devant. L'orgueil, oubliez Allah. D'après ce qu'il dit, oubliez Allah. Moi, mon plus top que toi, mon plus fort que toi, tu n'as pas connu rien, moi connu tout. Penadine là. Tout le temps, quand nous confrontons à une option, mon capable de servir la force, garde le dernier recours. Trouve le moyen plus convenable, à l'amiable. Trouve une, parfois faire certaines bonnes concessions pour éviter un problème. Mais voilà, la reine de Saba. Malgré que ce commandant dit non, nous n'avons pas besoin de payer la reine. Nous, l'armée, ready, nous bien équipés, nous finis en alerte 24-7. Nous capables, veut dire debout, protéger le royaume. Mais la reine de Saba dit non, innal muluk, idha dakhalu qaryatan afsaduha. Il peut montrer ce crainte qui s'y est arrivé. Nous payons, pense plus devant, pas guette devant ton aîné. Ben idiot qui fait ça. Fini la guerre, pas guette conséquence. Discuter la guerre, décider sa oumat. Pas guette conséquence, nous payons devant ton aîné. Dans quel contexte nous pouvons vivre là? Bien difficile pour la communauté. La communauté ne dégringole, ne disparaît. Même politiquement, ils ne peuvent apprendre quoi. Aucun parti politique n'a pas un tracas musulman parce que les musulmans sont divisés en mille et une morceaux. Mais aucun valeur. Il n'y a aucun poids politique. Dans tout domaine, il est dégringolé. Longtemps, on dit, man qui plus âgé, man en chère de connaître la rue des fausses musulmans qui t'y faut. La rue royale musulmane t'y faut. Aujourd'hui, la rue royale disparaît. La rue des fausses y est finie. La rue La Caudrie, là. Un bâtiment qui a à peu près 50 magasins. La rue La Caudrie, musulmane. 50 magasins. 50 magasins vendés. Combien de musulmans n'ont acheté? Deux seulement. 48 Rerkom. Rerkom peut monter en puissance. Politiquement, économiquement, socialement, dans toute forme, nous pouvons dégringoler. Une de bonnes raisons, parce que tout le temps, quand nous faisons ça, nous sommes devant nos aînés. Nous, la guerre, nous ne sommes pas supposés la guerre. Nous faisons
discussion qu'on pas supposé faire discussion. Nous faire division qu'on pas supposé faire division. Et qui nous attend? Alors, la reine de Saba, elle connaît, elle y a traqué, mais si arrivé, Souleymane fait victoire. Mon père, qui peut arriver mon peuple? Qui peut arriver mon peuple? Parce qu'il tient la reine juste. Parce que, comme ça m'est arrivé, وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا. Comment les rois, je te fais conquête, quand je te fais conquérir un endroit, je te détruis l'endroit là. Je te brille tout, je te crase partout, je te finis. Je veux dire tout, quelque chose, après je t'allais, je te conquérir la terre. Et je te dilapide toute richesse, je t'allais. Alors donc, l'IPA, ça veut dire qu'il y a un tracasse au peuple. Et si sincère envers son peuple, et si content son peuple, et si content bonheur son peuple. Alors donc, qu'il y fait diplomatie, négocier, négociation. Tout le temps, comme on dit, fini en bon terme, fini d'une bonne façon. Wa inni mursilatun ilayhim bihadiya. Moi, pour envoyer Suleiman un peu cadeau. Peut-être ça capable, sans mood, capable, comment dire, trouver, ok, si l'hypéro de richesse, mais sans la guerre, il gagne. Win-win. Si l'hypéro de la guerre pour qu'aucun nous richesse, mais pas besoin de la guerre, parce que la guerre collatérale, ça, l'ici, de ce l'homme aussi, il y a pour moi. Et ici, il y a le risque, il y a perdu aussi. Mais si me donne les richesses, problème fini. Intelligence. Stratégie. Alors, un visionnaire. Wa inni mursilatun ilayhim bihadiyya fanadhiratum bima yarji'u al-mursalin. Alors donc mon point voyli ban cadeau et moi tan comment les réagir? Qui les réagir? Qui les fait? Qui sont réaction? Falamma ja'a Suleiman. Quand caravane vini, imagine caravane qu'on gété dans film ban l'éléphant, chameau rempli avec l'eau, diamants, perles, tout ce qui a été, veut dire, la soie, puis vini, caravane pour caravane, caravane pour caravane, parce que ce royaume-là, c'est tellement riche, le royaume de Saba. Mais quand on arrive dans le royaume de Suleiman, alayhi salam, certains ben moufassir disent que je ne commence à embarrasser quand je finis trop le royaume de Suleiman, alayhi salam, parce que le royaume de Suleiman, alayhi salam, comment certains ben moufassir disent, sommeraille en l'eau. Bon, qu'on rentre dans sa tour, il sommeraille en l'eau. Comment dire, on vient, ça disant, on peut confiant de au cadeau, on peut tirer, on dit, on ne donne pas aux camarades un chèque 5 000 roupies pour son mariage, parce qu'il dit, on donne 25 roupies, 100 roupies, et on met un papier rouge. Le temps était ouvert, puis on dit, on disait qu'il y a un surprise dans le mariage, un papier blé. On donne 5 000, vous pensez ça? Quand on trouve un autre dimon vini, donne 500 000. Sentiez-vous embarrassé avec 5 000 roupies? Ou si pensez, on est terrible. Ou bien on donne 10 000, ou bien on donne 15 000, ou tout le temps, on donne 500 000. Alors, dans Moriaz, on a donné 500 000, oui, on me connaît en Moriaz, moi, on me connaît dans certaines familles. On a donné 500 000. Un frère peut ni se marier. Un frère donne 200 000, l'autre là, donne 500 000. Sentiez-vous, comment dire, tu es capable de disparaître tranquille? Pas aux places, comment dire, tu comprends? Alors donc, et quand je ne viens que je te cadeau, je peux trouver, comment dire, je suis embarrassé, je te guette richesse de Suleiman, alayhi salam. Et Suleiman, alayhi salam, les fins trouvent ça comme un genre de bribe. Atumid dounani bimal, est-ce que je peux route influencement par l'argent? Parce qu'un muttaqi, quelqu'un qui est un taqwa, ou pas capable de stéler par l'argent, ou pas casser Suleiman. Un dimon qui est na din ou pas casse li par l'argent. À cause ça, ban vrai leader qui arrive zot. Qui arrive zot ban vrai leader. Tu zot, pas casse zot. Qui s'en a sté? On trouve parfois un leader licence beau. On trouve licence langage. Parce qu'il est facile à sté un dimon, avec l'argent, avec madame, avec pouvoir, un poste travail, sans zé. Et si tu peux causer gros paroles, arrête de causer. Et si tu peux faire un tel travail, si tu peux inviter une telle révolution, arrête. Quand on a été kiffé, il y a un petit peu de travail de confort zone, arrête, c'est correct.
Mais une vraie leader, non. Parce qu'il a base même pour faire Allah plaisir, pas son neuf ce qui t'y dit l'avant. Mais lui, il est pour Moïse, il n'est pas capable d'acheter lui pour l'argent. Capable d'acheter Suleiman, alayhi salam, même s'il est passé dans sa grande richesse. A tout mis d'où n'a ni bimal, est-ce que je peux donner moi l'argent pour influencer moi, pour influencer ma décision? Fama atani Allahu khayrun mimma atakum. Ça qu'à l'aide de moi, mais il y a qui me donne zot. À l'aide de moi, nous bouvons la prophétie, fin de moi un royaume puissant, fin de moi la richesse qui zot peina. Alors donc, Suleiman alayhi salam, fin refuse ça, veut dire ça, sa tentation, il pas rentre dans sa pièce. Alors donc, Suleiman alayhi salam, elle a les causes, mais c'est la loi Allah, mais c'est prévaloir, mais c'est soumettre. Quand Allah finit de nous, veut dire l'autorité, nous ne paraissons la même. Celui qui a l'autorité, Allah nous donne l'autorité qui fait pour faire l'obéissance prévaloir. Qui fait ou gagne l'autorité sur la terre? Qui fait ou gagne l'argent beaucoup? À cause Allah nous tout fait gagner content? Non. Qui fait ou gagne pouvoir? Est-ce qu'Allah a envie de nous pouvoir pour rien? Non. Qui fait ou gagne les rois? À cause qui dans 10 ans, il y a 10 ans prophètes? À cause de ça, vous les rois de l'âne content? Non, non. Allah donne nous l'argent pour un purpose, l'autorité pour un purpose, la connaissance pour un purpose, tout faveur, Allah nous donne pour une raison. Alladhina immakannahum fil ard. Ban qui gagne l'autorité sur la terre. Zot devoir qui Allah piatan avec zot aqamus salat. Zot besoin faire salat prévaloir. Wa ataw zakat. Zot besoin faire donner zakat. Wa amaru bil ma'ruf, zot besoin faire ou donne le bien, wa nahaw anil munkar, et empêche le mal. Pas comme ça, m'assisé, ouais, mon vin les rois, mon vin la reine, mon vin ministre, mon vin alim, après m'assisé, vous faites tout, mon vin de moi la doua, assisé, manger. Non, non, pas comme ça. Nous avons une mission, là, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que Suleiman alayhi salam, son mission continue. Il n'est pas capable d'arrêter là, il a besoin. Qui a mis une soumission, faire prévaloir Allah sur l'autorité de la terre. Faire prévaloir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Qala ya ayyuhal mala. Suleiman réunit sur l'armée ici. Suleiman alayhi salam réunit sur l'armée pour amener sur l'armée que ça n'a. Ifritum min al djinn. Ifrit min al djinn veut dire rasplit faux pour amener le djinn. Pareil comme un insan aussi pareil, ou un africain. Ou en a sinois, ou en a indien, ou en a arabe, ou en a saken. Saken, Allah fait mettre certaines qualités dans eux. Race africaine, il belle, colosse, musclé, il a fait travail faux. Alors donc, en a de ce lamé qui l'expire, mais c'est moi sur l'écho, veut dire frêle. Ça, nature, une qualité. Mais dans djinn aussi, il y a un qui, comment dire, africain, il frite. En passant, on veut dire qu'un djibon possédé par Ifrit, vous avez fait attention avant les rouquias, l'oli, quand pose la main comme ça, il te rappelle, c'est tout d'un coin. Alors, vous avez bien. Alors, Ifrit, il dit, قال Ifrit من الجن أنا آتيك به. Suleiman dit, qui s'en a pour amener le royaume? Amène ce trône pour montrer que mon seigneur n'est pas capable de rivaliser avec moi. من يأتيني بحرشها قبل أن يأتيني مسلمين. Avant qu'il y soumette, amène ce trône pour faire lui comprendre qu'il m'a saillé dans mot, veut dire, dans mot, veut dire, demande. Ifrit, dire, bon, moi, capable d'amener ça, sa trône. La reine de Saba dans Yémen, Suleiman, alayhi salam, est dans l'Irak. Alors donc, Ifrit, dire, ana ati kabihi qabla an taquma min maqamik. Avant que réunion terminée, réunion les rois, il n'est pas dire, il n'y a pas de temps ça. 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, fini ça. Dans l'espace, ça quelques minutes là, moi m'en trône là. Dans 15, 20 minutes, demi de temps, au final, m'en trône là. Moi, allez, m'en cesse, si m'en mène. Quand on peut cause trône dans l'eau là. Par contre, comme une tonne qui est ifrite pour ça, il sait que cela m'est pour mener. Qala alladhi indahu min al-ilm, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Un autre dit, un autre soldat dit, moi, je suis capable d'amener trône là. Avant qu'il te lisait, fini batté. Alors, il y a un ban Mufassir, c'était un ange. Et il y a un ban Mufassir, c'était un Aulia, Wali. Allah, ce Wali. Ça veut dire qu'il est si très proche avec Allah. Comment lui demander Allah de nous en place? D'accord?
Alors donc, فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ, quand il trouve le roi, la reine de Saba se trône devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, qui nous croyons, le croyant tout le temps, il n'est pas oublié Allah. Dans toute chose, dans sa réussite, il n'est pas dit waouh, non, il dit Alhamdulillah. Il n'est pas dit taï, non, il dit Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pas taï. Comment dit-on dire waouh, comment kafir peut montrer nous? Nous besoin enseigne, nous bons enfants. Quand quelque chose de bon nous dit Allahu Akbar. Quand quelque chose appréciable est arrivé, nous dit Alhamdulillah. Donc, quand il finit trouve, ça trône paraît devant lui. Qala hada min fadli rabbi. Ça, c'est faveur de mon Rab. Faveur Allah. Allah subhanahu wa ta'ala finit faire faveur au Suleyman alayhi salam. Allah finit faire faveur au tout djimoun. Même un djimoun handicapé, les soud, Allah finit faire faveur au lui. Mais seulement nous pas connaître faveur Allah, donc il faut me l'éviter. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nous pas connaître, nous pas compter. Tout djimoun il finit faveur Allah lui. Mais c'est moi, parfois, nous, l'intelligence, pas arrive à ce niveau-là pour comprendre que de faveur elle a été. Mais définitivement, il y en a quelque chose qui nous connaît aussi. Tout faveur, tout quelque chose qui est de bon, c'est faveur Allah. Mais attention, quand Allah fait faveur à nos frères en islam, soit l'argent, soit enfants, soit pouvoir, soit réussite mondaine, la santé, n'importe qui affaire, et d'un coût, tout faveur est d'un coût et d'un prix. Chaque faveur, il vient avec un test. Chaque faveur, les vignes avec un test. Et chaque test, les récompenser pour un cadeau. Et chaque cadeau, les vignes avec un test. Dounia là, pour continuer comme ça. Chaque cadeau que vous gagnez, Allah peut tester ou après. Après chaque test, vous pouvez gagner l'autre cadeau. Ou passe dans sa ou remercie Allah, vous gagnez l'autre test. Ou passe dans sa test là, vous gagnez l'autre cadeau. Il y a l'aim comme ça, pas pour arrêter ça. Parce que cette dunya là, il y a test récompense. Test récompense. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Il y a l'aim comme ça, c'est qu'à l'amour. On passe d'un soc, ou pour toi là, ce cadeau vini. Quand cadeau vini, prépare-vous pour prendre le test pour venir encore. Ça veut dire, avant test, ça vini, que vous pouvez dire Allah. Allahumma thabbitni, ya Rab, donne-moi, veut dire, la patience, fais-moi passer. Protège-moi qu'il ne m'a pas dérapé dans ton test. Contrôle-moi la langue, contrôle-moi l'intelligence. Aide-moi, supporte-moi, n'a pas délaisse-moi. Avant qu'il est venu, finis prépare-vous, parce que vous pourrez un test là-haut. Tôt ou tard, vous pourrez un test là. Parfois, quand on a un frère sur un test, vous pourrez un pire. Un frère, rappelle-moi, hier, il y a un test. Moi, si vous avez un test, je suis sec. Chacun se teste de cette façon. Chacun se teste de cette façon. Quand on a un démon, il est multimilliardaire. Zodi endetté. Ou quoi, est-ce facile ça? Quand on dit un milliardaire, Zodi endetté. En un clin d'œil. Quoi, est-ce facile ça? Je frissonne, je suis ça. Pena haram, pena non. Là-dedans. Allah se teste. Parce qu'il dit là, dans l'ibadat Allah, Allah a envie de tester de cette façon-là. Mais nous, comment nous testons? Allah ou Alam, Allah connaît. Mais nous ne connaissons qui nous nous a demandé. Ya Rab, n'y a pas de quitter ce vin-là au moins, pas laisse-moi déraper. Pas laisse-moi faillir. Pour cette raison que Suleyman, alayhi salam, peut-être sa plus grande leçon qui nous termine l'eau là, quand il fait victoire, parce qu'il y a un trône, qui veut dire? Il fait conquête, il conquérir le royaume avant même qu'il y ait là-bas, parce qu'il finit qu'il y a un trône. Il prend trône la graine de Saba, qui peut rester? Il finit qu'il y a un pouvoir. Comment il gagne sa trône qu'il finit dire? Hada min fadli rabbi, il reconnaît tout d'abord, ça c'est faveur Allah. Après, liyabluwani, pour qu'il Allah teste moi. Il donne-moi ça pour qu'il teste moi. A ashkuru am akfur, est-ce que mon reconnaissant pour cadeau qu'il m'a gagné ou bien mon ingrat? Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. C'est lui qui montre les reconnaissants, il n'a pas fait Allah aucun du bien lui. Hein? Allah n'a pas gagné rien là-dedans. Il peut faire lui-même du bien. Wa man kafara, celui qui fait montrer lui un graf, inna Allah ghaniyun karim. Connais qui Allah, il n'a pas besoin de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux. Allah n'a pas besoin de nous. Alors donc, voilà la vie, frère en islam, dans ces histoires-là,
il y a un déroulement de la vie. Nous devons apprendre comment vivre sur la terre. Nous devons être gentils. Nous devons faire des efforts pour réussir dans la dunya. Nous devons travailler pour faire Allah plaisir. Travailler pour faire tawhid prévaloir dans la vie. Faire tawhid prévaloir sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons être tout le temps reconnaissants vis-à-vis Allah. Nous devons être tout le temps gentils. Tout le temps, parfois, opter pour tout le temps la paix. N'a pas fait désordre. N'a pas fait violence. N'a pas ridiculisé ou frère. N'a pas dénigré Dimon. Malgré que nous tous avons un manquement dans nous. Mais ça, dans cette histoire-là, c'est à cause de l'ennemi du Coran. Comme un repère pour nous, comme une référence pour nous, qui nous lie à chaque fois, qui ça vient un rappel pour nous, qui si Suleiman, le roi tout-puissant de la terre, get li, li courbé à la fin. Et aussi, quand il y a bon d'en haut, quand la reine de Saba fin vini, veut dire, comme prisonnière, quand il fin vini, il perd ce trône. Il me dit, soumettre quand il vini, qu'il est arrivé. Parce qu'il tient un bon dans lui, qui est arrivé l'an dernier, quand Suleiman, alayhi salam, fin montrer lui, qui tout ça, l'année qui te peut vivre, te ne fait shirk avec Allah, te ne coquin haq Allah, le roi, le vrai roi tout-puissant qui nous soumet à lui, te ne soumet à soleil, te ne adore soleil, yashdudun ali shamsi min dunillah, te ne fait errer. Et Suleiman, alayhi salam, fin donner l'exemple. Qila laha dkhuli sarh, falamma ra'atu hasibathu lujja. Il fait une trouve, veut dire, il dit, il rentre, il peut penser, la mer, il lève sa robe pour ne pas mouiller. Pas la mer, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Cristal. Suleiman, ce royaume, pas comme on va ici, il y a un mob, béton, c'est pas moquette. Cristal. La rivière, la mer en bas. L'eau, la mer, comment dire. Alors donc, Suleiman, alayhi salam,